Mesdames, Messieurs, bon après-midi à nous tous et merci encore une fois de nous recevoir chez vous pour vous informer dans l'actualité de cette édition de la mi-journée. Des voix s'élèvent au nord Kivu pour dénoncer l'abandon des trois positions dont Kimoka, Kulu et Base par les contingents indiens des casques bleus dans les territoires des Masisi au profit des terroristes du M23. La population du groupement Kamuronza s'insurge contre l'opération Springbok de la MONUSCO qui aujourd'hui vient de laisser ces trois localités aux ennemis de la République à suivre dans ce journal. La société civile qui a haussé les tons pour inviter les autorités politico-militaires à agir rapidement. Et en économie, beaucoup se demandent à quoi auraient servi les 10 milliards de dollars américains du dépassement de la dette publique entre 2019 et 2024 d'après les chiffres évoqués par l'Office de gestion de la dette publique. Cette situation interpelle les organisations citoyennes qui œuvrent pour la bonne gouvernance en RDC. Autre question posée, comment l'État congolais devrait s'organiser pour se servir des ressources de la dette? Des réponses à suivre aussi dans ces journaux. Le mois d'avril constitue l'un des mois les plus pluvieux de l'année 2024, surtout dans la ville province de Kinshasa. Selon l'alerte de l'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite, des fortes pluies à caractère excédentaire sont annoncées avec la montée des eaux dans certaines parties de la ville, des inondations et des éboulements des terrains durant la période comprise entre mars et mai prochain. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre pour vous informer. Je le disais en titre, des voix s'élèvent au Nord Kivu pour dénoncer l'abandon des trois positions dont Kimoka, Kulu et Base par les contingents indiens des casques bleus dans les territoires des Masisi au profit des terroristes du M23, RDF et AFC. La population du groupement Kamuronza s'insurge contre l'opération Springbok de la MONUSCO qui aujourd'hui vient de laisser ses localités aux ennemis de la République. Suivez la réaction du président de la société civile qui a haussé les tons pour inviter les autorités politico-militaires à agir rapidement. Avec la fameuse mission Springbok, la MONUSCO, à partir des casques bleus indiens, avait installé différentes positions autour des sacs, entre autres à Kimoka, Kiuli et à Base. Donc ces positions-là, on dirait un beau moment, plus de 5 mois je crois. Nous avons appris qu'avant-hier, ils ont abandonné ces positions-là. Malheureusement, comme vous le savez, ces positions étaient voisines des positions du M23. Donc il y avait des positions à quelques mètres, à 100 mètres de la position de la MONUSCO, il y avait des positions M23. Et si encore un sommet. Donc, après qu'ils aient abandonné ces positions-là, directement, les M23 sont descendus dans leur position. Parce que c'était difficile que d'autres troupes ou les FARDC puissent réoccuper ces positions-là, surtout que l'ennemi était à quelques mètres, on pouvait tirer sur eux. Les forces armées avaient des difficultés pour bombarder ces montagnes-là parce qu'il y avait des positions de la MONUSCO, mais aujourd'hui comme ils ont quitté, c'est facile qu'on puisse mener des opérations dans cette zone-là avec facilité. La dette publique en RDC est passée de 3 à 10 milliards de dollars américains entre 2019 et 2024. Des chiffres rendus publics par l'Office de gestion de la dette publique. Les créanciers sont notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement ou encore les bons du Trésor vendus par la Banque centrale du Congo. Cette situation interpelle les organisations citoyennes qui œuvrent pour la bonne gouvernance en RDC. Beaucoup se demandent alors à quoi auraient servi ces sommes et comment l'État congolais devrait s'organiser pour se servir des ressources de la dette. Tentative de réponse avec Mathieu Takizala qui est économiste et entrepreneur. La dette publique congolaise est en accroissement. Normalement, l'Afrique a un vrai problème. Les banques sont faites pour financer l'économie. Malheureusement, la plupart des banques de dépôt en Afrique financent maintenant l'État. C'est ça le vrai problème. La dette, elle doit y avoir des volets, dette interne, dette externe. Logiquement, la dette publique interne de la République démocratique du Congo, ça fait longtemps que les spécialistes, nous cherchons toujours à dire qu'il faut payer la dette interne pour permettre aux entreprises d'avancer. La dette, c'est un instrument qui est fait pour investir. Malheureusement, trois quarts de temps au niveau de la République démocratique du Congo, y compris le pays africain,
nous endettons pour faire en partie consommation. C'est ça le problème. Il faut s'endetter de plus en plus pour investir dans le système économique pour que nous puissions avancer. C'est vrai, les dettes américaines ils sont à des pourcentages un peu supérieurs que celles d'Afrique, mais ils ont plus d'actifs. Ils ont plus d'actifs, il y a plus d'entreprises, il y a plus de gens qui travaillent. Et cela fait que la plupart des créanciers ou des institutions des notations considèrent que bon, ce sont des États avec des notations supérieures aux autres. C'est pour ça que, par exemple, la dette française actuellement est au-dessus de 100% de la, du produit intérieur brut. Donc la dette congolaise, il faut que l'État cherche des voies et moyens que la dette publique soit une dette pour l'investissement, mais pas pour la, le fonctionnement du système étatique, puisque aujourd'hui, ça peut commencer à peser. On voit FMI, la BAD et les autres institutions qui sont en mission en République démocratique du Congo. Il faut que le système puisse réduire aussi le fonctionnement de l'État, permettre que l'investissement puisse être supérieur dans le territoire. À la une aussi de l'actualité, les assemblées provinciales s'apprêtent à élire leur bureau définitif respectif très bientôt. Le cas de celui de la province du Haut-Katanga, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, l'UNAFEC, rejette la candidature de l'actuel président du bureau d'âge pour vice des procédures dans les dépôts de sa candidature. Selon le secrétaire général de ce parti, membre de l'Union sacrée, en déposant sa candidature comme indépendant, le président AI de l'UNAFEC s'est auto-exclu du parti. L'UNAFEC soutient plutôt la candidature soutenue par l'Union sacrée à la présidence de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Suivez cette réaction du docteur Isaac Kaimbe, secrétaire général du parti UNAFEC. C'est une surprise d'apprendre que l'honorable Mireille Massango ou madame Sakina Binti Selemani ou même l'inspecteur général Zazou soient radiés du parti, parce que je ne vois pas pourquoi ils seront radiés. Et ils sont radiés par quelle décision? Et lorsque nous rentrons dans les statuts, à l'article 13 de notre statut, au point 4, parmi les fautes qui doivent être punies, sanctionnées par notre statut, il y a la trahison. Et nous, à l'UNAFEC, nous considérons que les dépôts de candidature en indépendant est une trahison. Qu'il y a un principe qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. En 2023, il y a eu une décision faisant office de radiation de notre premier vice-président en son temps, l'honorable Juvenal Kitungwa, qui était radié parce qu'il s'était présenté en indépendant comme candidat au poste de premier vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et ça a été signé par le président Longangue, ensemble avec maman Mireille et maman Sakina et Feu Matembera. Ils ont signé et il est parti. Et aujourd'hui, lorsque lui-même pose les mêmes actes, il veut qu'on puisse déroger à la règle. Non, mais c'est automatique. Lorsque vous présentez un indépendant, vous vous auto-excluez du parti. Voilà. La même chose qui a fait partir Kitungwa, l'honorable Kitungwa, c'est la même chose qui fait partir l'honorable Longangue. Et ça sera de la même façon que ça va se traiter pour tout membre qui va déroger à la règle. Nous avons des militants effectivement à travers le monde et tous les militants de la RDC, je les appelle d'abord au calme. La situation est sous contrôle. Les faits qui ont été commis par l'ancien président AI de notre parti sont graves et pouvaient nous mettre même en difficulté au niveau de l'Union sacrée. Parce que ne pas respecter le mot d'ordre de l'Union sacrée, c'est mettre le parti en conflit avec le président de la République, c'est mettre le parti en conflit même avec notre regroupement qui est partie prenante de l'Union sacrée. Que chacun reste à son poste, que chacun reste calme, la situation est sous contrôle. Le président Oumba Longangue ne peut plus engager le parti de par les textes légaux qui nous régissent. Je le disais aussi en titre, le mois d'avril constitue l'un des mois les plus pluvieux de l'année 2024, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Selon l'alerte de l'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite, des fortes pluies à caractère excédentaire sont annoncées avec la montée des eaux dans certaines parties de la ville, des inondations et des éboulements des terrains durant la période allant de mars à mai prochain.
Nous avons déjà prévenu le public à partir du mois de février que nous aurons au mois d'avril la montée des eaux. Donc nous aurons une période de pluie, mais à caractère excédentaire. C'est-à-dire qu'il y aura un peu excès de précipitations, la fréquence des pluies. Et nous sommes en train de connaître déjà cette fréquence des pluies telle que nous l'avons prévenue dans la prévision que nous avons faite pour le mois de mars, avril et mai. Donc le mois d'avril, c'est le mois le plus pluvieux de la première partie du semestre, parce qu'il y aura encore deuxième partie du semestre, d'où le mois de novembre sera le mois aussi le plus pluvieux. Et particulièrement si la ville de Kinshasa, comme c'est à l'ouest, nous sommes dans la saison de pluie et nous devons nous attendre à des montées des eaux, à des éboulements des terres. Nous devons nous attendre à la montée des eaux sur certaines parties de la ville. Comme vous le voyez ici sur l'image, Lubumbashi, il y a cette situation qui est en train de pénétrer sur la partie sud et cette partie trouve les conditions favorables au niveau de la de Kinshasa et c'est comme ça, ça monte. Et ça traverse la ville province de Kinshasa. Et puis, alors, ce sont des situations qui sont en train de véhiculer sur l'ensemble du pays et sur la partie sud du pays, en donnant cette fréquence de pluies qui sont un peu instantanées. Tantôt, ça se coupe et puis ça reprend, ça se coupe, ça reprend. Donc, c'est pendant cette saison de pluie que nous devons connaître cette situation. Et parmi les dégâts constatés lors des pluies qui se sont abattues récemment à Kinshasa, les sites du stade Tata Raphaël de la Kétule a également connu le débordement des eaux des pluies avec des déchets plastiques emportés par les courants de la rivière Kalamu qui passe par là. Ces dégâts ont envahi les lieux. Ces complexes sportifs ne ressemblent plus à rien, bien qu'il ait fait la fierté du pays lors des 9e Jeux de la Francophonie. Des débordements des eaux de la rivière Kalamu, filmés sous la pluie par un riverain dans la nuit de ce dimanche à lundi. À la tombée du jour, le spectacle est chaotique. Même le site du mythique Stade Tata Raphaël en a fait les frais, avec ses récentes infrastructures construites pour les 9e Jeux de la Francophonie. Des déchets plastiques propulsés sur la surface, des caniveaux qui auraient foulé les eaux et autres immondices, le complexe sportif s'est défiguré en l'espace de quelques heures, laissant passants et habitants dans l'étonnement. Plusieurs millions de dollars ont été investis dans ce site de Tata Raphaël, avec des salles de sport, les aires de jeu, des gymnases, des dortoirs, mais aussi un restaurant moderne qui se retrouve en ce moment pied dans l'eau. La ville ayant des moyens, il aurait dû accentuer, même pas par la structure que vous êtes, c'est-à-dire Biwan, mais ils auraient pu travailler sérieusement sur une communication par rapport à cette salubrité-là. Parce que c'est vrai que dire dans une pub qu'il faut nettoyer la rue, etc., c'est une chose. Mais rappeler aux gens que si la ville est sale, notre pays, les caniveaux, les canalisations, etc., c'est un, comment on appelle ça, quelque chose qui amène les maladies, les gens vont commencer à comprendre. Et vous savez que quand on laisse les sacs en plastique, qu'il y ait un peu d'eau dedans, ce sont les moustiques qui vont naître, etc. Donc la ville a le devoir de faire une campagne pour non seulement montrer aux gens comment mettre la propreté. Ce spectacle désolant se répète chaque année ou presque dans le célèbre quartier Matongé, en pleine capitale Kinshasa avec la rivière Kalamu sortie de son lit, dont le bassin se plonge jusqu'à plusieurs mètres de rive dans les ménages. Le quartier Bumba, situé dans la commune de Ngalima, fait face aussi à une carence d'eau catastrophique. Cela 7 mois après la réhabilitation de la route Nzolana qui relie le quartier Pompage, Sangamamba et Malueka dans la commune de Ngalima. Des tuyaux de la régie des eaux ont été endommagés pendant les travaux de réhabilitation. Les résidents du quartier Bumba ont exprimé leur ras-le-bol face à cette situation et lancent un cri d'alarme auprès du gouvernement de la République. C'est dimanche 7 avril 2024, après la pluie. Kinshasa n'a pas été épargné dimanche comme ce lundi matin après les pluies diluviennes qui ont causé des gaz humains et matériels dans la capitale.
Près de l'aéroport de Ndjili, deux personnes sont mortes et d'autres blessées après la collision de deux véhicules, aggravée par une chaussée glissante sur le boulevard Lumumba. Au niveau de la Renganda-Musolo, la route est menacée de coupures à la lisière entre les communes de Ntsele et de Maluku. Dans l'ouest, à Ngaliema, dans le quartier Cuba, au moins 8 personnes d'une même famille ont péri après l'écroulement d'un mur mitoyen sous la pression des eaux, avant de tomber sur les victimes qui dormaient. Un peu plus loin, à Limété, une partie de la clôture de la foire internationale de Kinshasa s'est écroulée sans causer de blessés. De nombreux Kinois n'ont pas pu faire le déplacement ce lundi matin à cause des inondations. C'est le cas des habitants de plusieurs quartiers des communes de Ngiringiri et de Selembao vers le centre de Kinshasa. Ces fortes pluies ont fait progresser des têtes d'érosion dans les quartiers qui entourent l'université de Kinshasa et menacent de couper la colline inspirée des restes de la capitale. Les averses de ces deux derniers jours ont rendu impraticable la chaussée de Kimwenza au niveau de son croisement avec l'avenue Bypass. Pendant ce temps, l'avenue de l'université, la seule qui est plus ou moins praticable, est envahie par d'innombrables nids de poules entre les ronds-points Gaba et Désespoir au niveau des homes du campus, rendant ainsi la circulation difficile. Outre les érosions qui menacent le site de l'Unikin, l'accessibilité au campus pose aussi de sérieux problèmes. 3 lacs artificiels créés à cet endroit gênent la circulation des véhicules et des piétons. Avec cette stagnation permanente des eaux, la route de Kimwenza est également en danger. Depuis plusieurs années, la politique de gestion de la voirie urbaine à Kinshasa patauge. Malgré la succession des gouverneurs à la tête de la ville, les routes de Kinshasa sont de plus en plus menacées et la population assiste impuissamment face à la dégradation de l'habitat. Depuis plus d'une décennie, la RDC bénéficie de l'appui du gouvernement américain dans les secteurs de la santé, de la lutte contre le VIH-Sida et à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, en passant par l'hygiène et l'assainissement. Quel est l'état des lieux et l'impact de l'appui des États-Unis d'Amérique en RDC? Des questions qui sont posées aux agences finançant et celles bénéficiant du financement des USA qui ont fait le point de presse, qui ont tenu le point de presse pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale. Lutte contre le paludisme, tuberculose, mortalité infantile et maternelle, VIH, la malnutrition, la poliomyélite, les épidémies, autant de maux qui constituent les axes d'intervention prioritaires des États-Unis en République démocratique du Congo. Et cela passe à travers l'USAID Health, PEPFAR, CDC, PROSANI, PNLS, ces 5 structures finançant et bénéficiaires de cet appui du gouvernement américain aux institutions et communautés congolaises et faisant passer les États-Unis d'Amérique comme le plus grand pays partenaire de santé en RDC. Ces programmes sont mis en œuvre dans différentes parties du pays en collaboration avec le ministère de la Santé. Et cette collaboration signifie que le ministère de la Santé élabore des plans et ces plans-là sont celles que les bailleurs de fonds et les partenaires de mise en œuvre vont exécuter. En matière de lutte contre le VIH, les États-Unis à travers PEPFAR, le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, a offert un package d'appui, a fait savoir le docteur Olivier Kalombo. Un pacte reconnu par le programme national de lutte contre le sida. À part la surveillance de l'épidémie, le PEPFAR nous appuie pour la prévention du VIH. Nous sommes dans une bonne dynamique. Les nouvelles infections à VIH sont en réduction. Et ça, c'est aussi grâce à l'appui du PEPFAR. Nous travaillons grâce à l'appui du PEPFAR dans la digitalisation du système d'information. Le programme de santé intégrée de l'USAID continue à appuyer les institutions et communautés en offrant des services santé primaire dans 178 zones de santé, bénéficiaires 41 millions de Congolais. Dans 9 provinces, nous renseigne le docteur Ouleïmata Diara, chef de programme. Ebola, Covid-19 et maintenant les monkeypox, l'appui du gouvernement américain à la santé, c'est aussi la gestion et la recherche épidémiologique à travers CDC. C'est un centre d'excellence et qui joue un rôle crucial dans la prévention de maladies. Ici, en RDC, il contribue dans beaucoup d'événements, dans beaucoup d'activités pour prévenir, améliorer et soigner les vies humaines. Nous avons élargi le plateau
pour les champs de nos activités. Selon différents gestionnaires de programmes américains et structures congolaises bénéficiaires de ce financement, l'appui américain en faveur de la santé s'exécute souvent dans la formation du personnel, l'amélioration des infrastructures, appui au matériel et d'autres intras. Ceci fait de la santé publique un des secteurs prioritaires du partenariat RDC-États-Unis d'Amérique. Société, énergie, climat, femmes, fintech, plusieurs sujets étaient au menu de la matinée inspirante à la 11e édition de la semaine des sciences et des technologies qui se tient à cheval entre Kinshasa et Bruxelles. Des panélistes et participants convergent sur l'accélération de la recherche, surtout l'accompagnement des passionnés des STEM en RDC. Silicon Village, c'est ici que le ton de la deuxième journée de la semaine des sciences et des technologies est donné par le président des Investing in People. Une journée consacrée au panel sur plusieurs sujets. Le premier panel, animé par le chercheur de la faculté de la Polytechnique de l'UNIKIN, présente Ingénieux Sud, un projet qui met aux prises des étudiants et chercheurs de l'Université catholique de Louvain et ceux de l'UNIKIN pour la mise en place des projets ou des solutions concrètes et durables. L'avantage avec ce genre de dispositif, c'est que l'étudiant il va trouver la solution à un problème local qui est congolais. Quoi. Ça vaut quand même son pesant d'or avec tout ce qui se passe maintenant au niveau de cette semaine. Là, c'est la 11e, hein, c'est la 11e année qu'on va assister à la semaine de sciences et technologies. Je suis très content du fait qu'on a pu porter un peu le choix aussi sur la faculté, parce que la faculté est vraiment inscrite dans la résolution des problèmes évidemment qui se passent ou qui se posent dans la communauté congolaise. La session Women in STEM s'est préoccupée des défis et des enjeux de la représentation féminine dans les sciences, technologies, engineering et mathématiques, qui demeure encore faible en République démocratique du Congo, d'où les encouragements de l'initiative de Raissa Malou. Les femmes sont à la science, mais le problème c'est le pourcentage de femmes. Moins de femmes sont à la recherche. Donc là, il y a un problème. C'est pourquoi nous sommes en train de voir quelles sont les pistes de solutions. En tout cas, moi, je félicite beaucoup Madame Malou pour l'initiative. Je pense que c'est l'initiative où pour aider les femmes, hein, les femmes chercheurs à travailler, à comprendre qu'elles doivent travailler pour avancer, pour se retrouver. Instant Bank avec le FinTech, débat sur l'apport des STEM dans l'intégration des technologies et les systèmes bancaires en RDC, des énergies, sujet au cœur des enjeux mondiaux, étaient aussi abordés au cours de cette 11e édition de la Semaine des sciences et des technologies. De la constitution du fichier du personnel enseignant, de l'école et des élèves, à la gestion des finances et de l'administration, les technologies ont permis de révolutionner le secteur éducatif en RDC. Le changement climatique, comme un des sous-thèmes de cette édition, a été développé avec attention. Ces panels, animés par le professeur Raphaël Chimanga, expert à Titi en la matière et coordonnateur de l'école régionale de l'eau, a fait un état de lieu de la situation, des défis pour une perspective et reste des solutions climatiques par la République démocratique du Congo. Cette journée des conférences riches en chocs d'idées constructives ont posé les jalons du village de la science qui se tient ce mardi à l'Institut de la Gombe. La commémoration du 50e anniversaire du combat du siècle des boxes entre Georges Foreman et Mohamed Ali sera un moment de consolidation de l'unité nationale et de la paix. Un grand événement international appelé Fight for Peace est annoncé. Les préparatifs sont en cours et l'appel à contribution ou participation est aussi lancé. Il y a 50 ans, le combat du siècle avait mis la lumière sur le Zaïre de Maréchal Mobutu. La commémoration de ce jubilé d'or est annoncée comme un moment phare de l'histoire sportive mondiale. La République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi se prépare à un grand événement international dans un contexte actuel marqué par des défis sans précédent dans la guerre d'agression et des violences que traverse le pays. Après 50 ans, Rumble in the Jungle sera Fight for Peace. Cet anniversaire représente non seulement un moment phare de l'histoire sportive mondiale, mais incarne également un héritage précieux pour notre pays, témoignant de la richesse culturelle et de la grandeur de notre peuple.
La commémoration de cet événement se veut être un symbole d'unité, de paix et de résilience. Elle rappelle l'importance du dialogue, de la solidarité et de la lutte pour la justice. Placé sous le signe de la mémoire, hommage, consolidation de l'unité nationale et de la paix, c'est une initiative privée accompagnée par l'État. Les négociations sont en cours. Il y a un agenda qui est en train d'être élaboré, parce que ça dépend de plusieurs acteurs internationaux, parce que c'est un événement. D'abord, le Rumble in the Jungle, qui est l'événement de base, est un événement international qui a été fait pour tout le monde. Vous voyez, c'est ces acteurs internationaux qui ont une grande audience venir ici. C'est une des choses particulières qu'on aura. L'annonce de Fight for Peace est un appel à toutes les personnes, institutions ou organisations désireuses de prendre part, de participer ou de contribuer à cet événement, à soumettre les propositions, projets de participation ou contributions au cabinet du chef de l'État. C'est un appel qu'elle a lancé aux différentes organisations, aux différentes structures qui se sentent prêtes à nous accompagner. En sa qualité de coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, Chantal Yelou Moulop, qui pilote l'organisation, dit compter sur la présence active et la participation enthousiaste pour faire de cet anniversaire non seulement un moment de mémoire et d'hommage, mais aussi une étape de consolidation de l'unité nationale et de promotion de la paix. Et dans les prochains jours, un comité sera désigné sous l'égide de la présidence de la République. Dans la province de l'Ituri, la jeunesse encourage et salue les réalisations du gouvernement militaire ainsi que ses efforts pour le développement des grandes agglomérations de cette province, dont la ville de Bounia, depuis l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour ces jeunes bouniatropes, c'est une journée tout à fait particulière avec la visite de la ville de Bounia qui change d'image jour après jour depuis l'avènement de l'état de siège. Habillé en t-shirt Visite Bounia, c'est avec beaucoup de fierté que le jeune découvre la nouvelle image du gouvernorat totalement rénové par l'administration militaire de l'Ituri. En visitant le gouvernorat, je retiens qu'il y a un lieu propre et sain dans la ville de Bounia. Et je retiens aussi que le gouverneur travaille énormément et fournit énormément d'efforts pour maintenir la sécurité, la stabilité financière et tant d'autres. Je remercie le gouverneur de nous avoir accueillis dans le gouvernorat. C'est ma première fois de venir ici et je suis bien contente. Au-delà de sa splendeur extérieure, cette équipe a, grâce à une visite guidée, appris quelques notions essentielles sur les fonctionnements du gouvernorat de la province. Et en visitant ce gouvernorat, j'apprends de nouvelles connaissances que je ne connaissais pas avant, par exemple la salle de réunion et tant d'autres. Ce que j'ai retenu ici, il y a d'abord le respect des normes écologiques. On respecte vraiment l'écologie ici. Il y a des réhabilitations, on a planté des arbres et tout comme ça. Donc, j'ai trouvé que le gouverneur est en train de lutter contre les changements climatiques dans notre province de l'Ituri. Après, la dite équipe a visité les différentes artères asphaltées de la ville qui comptent aujourd'hui 20 km d'asphalte de la voirie urbaine. Disons-le, l'élan du développement pris par la ville de Bounia aujourd'hui la rend enviable dans les top 6 de villes congolaises, tout ceci grâce à l'instauration de l'état de siège. Plusieurs clips sont aujourd'hui tournés en ville de Bounia car il y fait beau vivre, fruit du leadership et le compte du lieutenant général, Luboya Kashama Johnny. Allez, on va se séparer avec les retours le week-end dernier à Kinshasa. Des élèves du groupe scolaire Oro, en retour après un voyage éducatif au Caire en Égypte du 27 mars au 5 avril dernier. Une expédition qui leur a permis d'acquérir des expériences qui transcendent le cadre classique de la salle des classes. Les détails dans ce reportage de Patrick Osomba.
Après 8 jours passés au Caire, la capitale égyptienne, la délégation du groupe scolaire Aurore, composée de 53 personnes, dont 50 élèves et 3 encadreurs, a regagné Kinshasa, la capitale, ce week-end par l'aéroport international d'Ngili. Le voyage organisé par cet établissement scolaire avait pour but d'offrir aux élèves une autre vue du monde. Une bonne formation doit être étayée d'illustrations. C'est dans ce cadre-là que la direction pédagogique du groupe scolaire Aurore a résolu d'envoyer en tourisme 50 élèves accompagnés de 3 encadreurs. Durant leur séjour au pays des pharaons, les élèves ont concilié les connaissances théoriques apprises en histoire et la splendeur de la richesse civilisation égyptienne. Ils ont visité les sites emblématiques tels que les pyramides, les temples des dieux égyptiens et les puissants fleuves Nil. Les élèves ont plongé dans les passés glorieux du pays des pharaons, en même temps exploré l'art, la musique, la gastronomie, la mode et l'essentiel de la vie culturelle égyptienne. C'est vrai qu'avant d'arriver en Égypte, on ne pensait pas découvrir la ville en si peu de temps, mais chose qui a pu se faire. Nous avons pu découvrir plusieurs temples et tous sont merveilleux. Avant, on avait quelques appréhensions sur. On disait peut-être que ce n'était pas très vrai, mais vu en vrai, on peut vous confirmer que c'était une très belle expérience. C'est vraiment un très bon programme parce que nous apprenons tous à l'école, nous avons entendu parler de l'Égypte, de civilisation ancienne et tout ça. Et de voir ça maintenant, c'est vraiment quelque chose de. Je ne dirais pas merveilleux, mais très éblouissant et très excitant. Jean-Baptiste Kassongo, ambassadeur de la RDC en Égypte, a accompagné tous les séjours des élèves du groupe scolaire Aurore avant de les acheminer jusqu'à Kinshasa. Nous avions été honorés par votre visite, par la visite des élèves en Égypte. Pour moi personnellement, c'était un honneur. Pour moi et toute l'équipe de l'ambassade, nous vous remercions. Nous remercions premièrement la promotrice du groupe scolaire Aurore d'avoir songé à visiter l'Égypte. Ces périples et les troisièmes du genre effectués par les élèves du groupe scolaire Aurore. Ils se sont rendus tour au tour l'année dernière au Kenya, en Afrique de l'Est et en Turquie, dans les vieux continents. Fin de cette édition d'actualité. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi.